Ah tiens. Mais ça fait cligner mes yeux quand ça fait. Tu vois? Moi je sais pas comment ils vont. Hein. Première scène. Take one. Et action. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je viens d'aller voir Les Indestructibles, c'était trop bien. Ça faisait trop longtemps que je voulais le voir et franchement il est top. Donc n'hésitez pas à aller le voir, allez au cinéma. Et avec le code Vaiana Cheveux Curly 45, vous aurez une réduction de 1€ sur le petit sachet de bonbons. Bref, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous montrer mes petits achats, enfin tous mes achats, parce que j'ai fait pleurer ma carte bleue. Voilà, je n'ai plus de sous. Voilà. Donc j'ai plein de choses à vous montrer. Voilà, c'est le soir, il est 23h. Pardonnez mon français. J'ai plein de choses à vous montrer. J'ai plein... J'ai grave une blédarme. J'ai plein de choses à vous montrer. J'ai acheté des fringues, des accessoires. Donc dans les accessoires, il y aura du make-up, des bijoux, des choses. Dans les fringues, il y a un peu de tout. Au fur et à mesure que je vous montrerai les articles, je vais vous mettre le prix quelque part dans l'écran. C'est parti, je commence avec les choses. Alors, à New Look, j'ai trouvé une petite paire. C'est si petit bébé. Franchement, elles sont grave belles. Regardez-moi ça. C'est des escarpins basiques. Je les ai pris en taille 38. En fait, j'avais pas d'escarpins noirs. Je crois que je suis la seule meuf sur cette planète à ne pas avoir des escarpins noirs. Donc, j'en ai acheté. Ils sont très mignons. Le talon, il est pas trop haut, comme vous pouvez le voir. Ça se porte avec tout. Une petite jupe, petit pantalon, petit jean. Tout ça. Ensuite, à JD Sport, j'ai pris une paire, les gars. Alors, attendez. Nathalie, si tu regardes cette vidéo, je te remercie encore. Ça, c'est grâce à ma petite Nathalie que j'ai craqué. Parce que madame, au début, je les ai vues. Je les ai trouvées belles. Madame les a essayées. Du coup, je suis un mouton. Du coup, je les ai achetées. Nathalie et moi, on a les mêmes. Et franchement, avouez, elles sont trop belles. Pareil, taille 38. C'est mes nouveaux petits bébés. Et pour l'été, ça passe crème. Je vais vous montrer du petit truc que j'adore, que j'ai acheté à Toys R Us. J'ai craqué pour ce petit bébé trop beau. Bah pour les fans de Disney, vous connaissez, c'est Raja dans Aladdin. Donc moi, j'ai commencé une collection de pop, hein. Vous avez pu le constater avec le petit Buzz. Et j'ai pris Réponse. Donc elle est beaucoup trop belle. Elle a plein de détails de fleurs sur les cheveux. Elle est trop belle. Je vais les mettre là, comme ça va rajouter de la déco, t'as vu. Ensuite, à Primark, j'ai pris plein de choses. Parce que Primark, je vous dis, les bijoux, les accessoires maillots, bon, il y a plein de trucs vraiment pas chers. Profitez, c'est les soldes. J'ai pris un set de pinceaux comme ça. Tropica. Voilà. Je les ai trouvés super beaux. Et en fait, je regarde par rapport à la densité du poil. Même s'ils sont dans le plastique, ça se voit, ils sont un peu fluffy quoi. J'ai pris une petite trousse parce que vous savez, quand on part en voyage, on a toujours besoin de trousse pour mettre mon maquillage. Genre quand je sors et tout, quand je prends mon petit sac à dos, bah je mets la trousse dedans avec les trucs pour me retoucher dans la journée. Genre le rouge à lèvres. J'ai pris une autre trousse pour les voyages. Là, il y a marqué I don't care, I'm a unicorn. Il y a des licornes, des arcs-en-ciel. Je kiffe. En vrai, quand on voyage, c'est grave bien. Genre pour juste mettre, vous savez, vos produits, genre les crèmes ou même si vous amenez beaucoup de make-up, c'est grave pratique. Elle est tout rose dedans. Voilà, moi j'adore. Ensuite, j'ai pris un petit porte-monnaie. C'est le tapis d'Aladin. Ça c'est juste parce que je kiffe Disney et j'ai craqué. Compulsive, voilà, si vous ne le savez pas encore, vous le savez désormais. Et à New Look, avec les chaussures, j'avais mon copain, en fait, il avait acheté une paire de lunettes. Et en fait, la vendeuse, quand on arrivait à la caisse, elle nous dit que si on prend notre accessoire, bah il y en a un des deux qui est offert, donc le moins cher qui est offert. Donc j'ai pris ce truc. Ouais, c'est mignon sur les sacs à dos. Il y a des strass et du rose. Tout ce que j'aime. Primark, j'ai pris un petit lot d'élastique noir, on en a toujours besoin. Ça s'éclate toujours avec mes gros cheveux, donc voilà, très pratique. J'ai pris ce collier que vous voyez sur moi. Il y a ça au bout, une petite flèche genre indienne, je trouve ça trop beau. Je trouve ça super joli en été. En plus, c'est grave à la mode en ce moment, les ronds comme ça là. Et j'ai pris un lot de boucles d'oreilles. Là, les bleues turquoise, elles sont grave belles, genre elles.
Archibald. J'ai aussi pris à Primark un lot de fossiles. Franchement, ils sont bien. Hein. Ils sont super longs, mais c'est pas trop épais comme ceux-là. Ah, ils sont de Primark aussi, je les ai. Et ah, j'ai pris ça. C'est pour appliquer les masques. Par contre, c'est un espèce de couteau racleur là. Je sais pas trop ça sert à quoi. En tout cas, il y a le petit pinceau pour appliquer. Il y avait une réduction, du coup, je me suis dit je vais les prendre parce que j'en ai pas et que j'applique avec une cuillère en plastique. Et c'est nul. Donc j'ai pris aussi des petits crayons Primark comme ça. J'en ai pris deux. Il y en a un que je porte, c'est l'autre. Je sais même pas où il est. Ah, il est là-bas. Bon, c'est pas grave. En gros, j'ai pris deux nudes comme ça. Ils sont très très bien, ils sont très crémeux. Par contre, ils tiennent pas super bien, mais ça va. Genre là, j'ai mis avec un gloss. C'est cool. Et du coup, j'ai pris ça aussi à Primark. Alors oui, je sais, j'ai déjà celui qui est pailleté. Mais je voulais un noir simple. En vrai, j'ai cherché partout pour chercher un petit sac noir. Et en fait, bah, j'ai pris le même que le pailleté, mais en or. Bah, ça passe avec tout et vu que c'est Mickey, bah, je kiffe encore plus. Du coup, voilà. On va passer à Yves Rocher. Donc à Yves Rocher, là, en ce moment, il y a moins 50 sur tous les produits. Donc franchement, allez-y. J'ai pris deux gels douche. Senteur, framboise, menthe poivrée et mangue coriandre. C'est des gels douche gommage. Donc c'est plutôt pratique. L'odeur, elle est trop bien et moins 50. Et en plus, ils sont pas chers de base. Anix, j'ai pris un highlighter doré. En fait, je me dis que j'aurais dû prendre le blanc parce qu'il y a trois couleurs dans cette gamme-là. Les Born to Glow, il y a le doré, le blanc et un espèce de rose très cuivre que j'aime pas trop. Du coup, le doré, je me suis dit, ouais, quand t'es bronzée, ça fait grave beau et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'aurais dû prendre le blanc, mais bon. Quand je serai bronzée, je sais, ça sera canon, mais pour l'instant, je suis très très blanche, donc c'est pas trop ça. J'ai pris deux Liquid Suède. Ça, c'est une teinte que j'ai déjà, si vous me suivez pareil sur Instagram, mes réseaux, ils sont en barre d'infos. Vous avez déjà vu, c'est un violet gris très très beau que j'adore. Franchement, il est magnifique. Et j'ai pris un rouge, mais vraiment flash pour l'été. Je trouve ça trop beau, même en hiver. On s'en fiche. Et j'ai pris les nouveaux NYX Lingerie Gloss. Donc en fait, vous avez les gloss, les shimmers et les glitters, je crois. Donc les glitters, ils sont grave pailletés. J'en ai pas. J'ai essayé un gloss normal, il est grave beau, sable, c'est genre le nude parfait. Et le butter du coup en shimmer avec des petites paillettes là, vous voyez. Il se trouve. À Sephora, j'ai pris la poudre que je prends tout le temps, j'en ai plus. C'est un fond de teint poudre minérale. En vrai, je me maquille comme ça que le week-end. La semaine pour le taf, j'ai trop la flemme. Donc je mets tout le temps cette poudre minérale. Ça laisse respirer la peau, ça l'étouffe pas, enfin voilà. C'est tout pour les accessories. Ah, ça va vite hein. Du coup, on va passer aux fringues. Pour les fringues, il y a du... Bon, je vais vous dire les magasins au fur et à mesure. À Primark. Je crois que je vais vous faire un try and haul en même temps. En fait, je vous mettrai à chaque fois une petite séquence mannequinage. Genre juste à côté, je vous montrerai le vêtement porté. Du coup, j'ai pris un jogging gris un peu molletonné. Pareil, sur Insta, il y a une photo avec. Il taille archi bien. Il est chez les hommes. Mais en fait, j'ai fait exprès parce que ça fait un petit style genre streetwear, enfin vous savez, un peu oversize. Je kiffe trop, c'est trop stylé avec des Air Force One, un petit crop top ou genre un débardeur bien serré, un haut bien serré, c'est grave beau. Ça fait un boule de ouf en fait. J'aime trop genre le style un peu hip-hop. Oh, alors ça, j'ai pris cette veste en jean, elle est méga trop belle. Elle est vraiment pas chère, même pour... Franchement, pour la qualité, elle est grave bien. C'est vraiment le bleu, on va dire, parfait de la veste en jean. Elle est pas... Il n'y a pas des trous, donc on peut la mettre vraiment avec tout. On peut la descendre un peu sur les épaules, vu qu'elle est oversize. Franchement, trop belle. Et j'ai une photo pareille avec, sur Instagram. J'ai pris un sweat noir chez les femmes. Je l'ai pris une taille au-dessus. Donc, je l'ai pris en taille M. Ah, pardon, la veste. Oh, le jogging. Le jogging, je l'ai pris en taille S chez les hommes. Et la veste, je l'ai pris en taille 38 pour vraiment l'effet oversize. Et du coup, le sweat, je l'ai pris en taille M, si je ne me trompe pas. J'ai pris en taille M. Et comme ça, c'est vraiment le style oversize que je voulais. J'ai pris le même en gris. Donc voilà, la base, hein, noir, gris, blanc. Après, je veux un nude. En fait, je veux toutes les couleurs. Si je m'écoute, je prends toutes les couleurs. J'ai pris... Chez les hommes, un petit t-shirt Jurassic Park. Je l'ai pris en taille M. Pareil pour un look, un style oversize. Attendez, j'ai envie d'en bouger. Alors. A few moments later. S'il y a Barracudette qui regarde cette vidéo, big up. Oh, regarde aussi. Les KitKats!
Non, c'est même pas des Kit-Kat, c'est des Malteser. Grosse vache forever ever. J'ai vu Jurassic World 2 au cinéma, il est archi bien aussi. J'ai pris aussi ce petit haut, donc il est archi mignon. Là, il y a les petites J'arrive pas à parler, j'en ai marre. J'ai un problème d'élocution. Ouais. Il y a des petites broderies juste ici. Par contre, je suis dégoûtée parce que là, j'ai cru que c'était des nœuds qu'on pouvait resserrer en fait. Mais pas du tout. Le truc, il est cousu et t'as juste à faire un petit nœud. En été, ça passe crème. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Je l'ai pris en taille 36. Oh là là, je kiffe. Alors, c'est un t-shirt Mickey Mouse. Lui, dirais, je me suis dit, ah, je vais mettre quand je vais à la Disneyland. Je l'ai pris en taille M. Chez les hommes aussi, si je veux. Ouais, chez les hommes. Et pareil, je fais un petit nœud ici, il est grave mignon. Franchement, le dessin, j'ai kiffé. Et pour le prix, faut pas se priver, les gars. J'ai pris ce t-shirt-là chez les hommes, encore une fois. J'ai pris le même avec mon doudou. On a le même. Je l'ai pris en taille S. Et je peux mettre avec un petit nœud, genre relâché comme ça. Il est trop mignon, c'est Simpson. I choose you, c'était pour la Saint-Valentin. Ensuite, j'ai pris en taille... Bon, déjà, je vous le montre peut-être, ça serait pas mal. J'ai pris ce t-shirt là, My Jean in 90s. C'est Nickelodeon. Ouais, voilà, c'est genre tous les dessins animés qu'il y avait quand j'étais petite qui passaient à la télé, c'était archi bien. Maintenant, franchement, ils mettent des trucs, c'est... Ça, c'était les vrais, ça. Il y a toutes les couleurs, c'est trop beau. Et genre, je me suis dit, avec ça, tu peux faire un make-up jaune, un make-up bleu, un make-up vert, hein, tout ce que tu veux, ça passe. Et je l'ai pris en taille. Je l'ai pris en taille 34, MDR. Pourquoi 34? Bah, je sais pas. J'ai pris en taille 34. Ah oui, pour que ça fasse très serré. Et j'ai pris aussi... Oh, il fait super chaud, my god, my... Oh, je coule. Ce t-shirt avec des logos, donc c'est la main de Minnie, le petit nœud de Minnie, les chaussures de Minnie. Pareil, à Disney direct. J'ai pris la taille en 36. Donc je vais faire un petit nœud aussi, je crois. J'étais repartie une deuxième fois après Marc, donc là, je vous montre tout. Hein. Mais du coup, j'ai repris le jogging que j'avais acheté en gris foncé. Je l'ai pris en espèce de gris très clair. Parce que je l'ai trop kiffé, il est trop bien. Chez les hommes, en taille S toujours. Alors, on va passer à une petite boutique. Vous savez, les petites boutiques à Châtelet. Et c'est une boutique qui s'appelle... je sais plus le nom. Franchement, je sais plus. Mais... je kiffe trop cette boutique, je trouve toujours quelque chose dedans. Et j'ai pris cette combinaison jaune moutarde en été, c'est trop beau, j'adore cette couleur. Et sur le côté, il y a des rayures en fait, blanche, noire, rouge. J'ai trouvé trop belle. Dans cette même boutique, j'ai acheté ce petit haut. Alors la qualité, franchement, c'est ouf. On dirait il est archi petit comme ça, on dirait que j'ai un corps de lilliputienne. Il est trop beau, vous allez voir. J'ai pris en taille SM celui-là. Et la combi taille unique. À Undies, il y a moins 50% sur plein d'articles. Bon, niveau sous-vêtements, j'ai rien trouvé. Mais du coup, j'ai pris quelques trucs. J'ai pris ce t-shirt robe pyjama. C'est le Zeb de Madagascar. Je l'ai pris en taille S. Moins 50, ça vaut grave le coup en fait. J'ai pris des trucs pour ma mère et pour moi. Avec tout ce que j'ai pris, ça devait me coûter dans les 110€. Et j'ai payé en gros 52€, quelque chose comme ça. J'ai pris cette petite brassière dorée qui brille. Voilà. Mais c'est même pas doré. Si, c'est doré. En fait, ça dépend. Genre comme ça, on dirait du rose gold et comme ça, on dirait du doré. Enfin, ça dépend de la lumière. Je trouvais ça trop mignon. Je me suis dit avec un taille haute, genre ça passe crème quoi. Je kiffe. Vu que j'ai pas beaucoup de shirts pour l'été, je dois en avoir 2 ou 3. Bah j'en voulais un autre et il était trop mignon celui-là. Il y a plein de couleurs, c'est les bisounours. Je l'ai trouvé trop chou, c'est juste pour la maison quoi. Je l'ai pris en taille S, pareil. Moins 50%. On va passer à Jennifer. J'ai pris ce sweat. Bon, c'est pas du tout la saison, mais c'est pas grave, je l'ai kiffé. Lui, je l'ai pris en XS. Il y a des écritures sur les manches. Là, il y a une grosse écriture sur les... chup-chup les... ça là, bref. Ça, il est un peu crop top. Du coup, avec un taille haute, avec un jogging, avec ce que tu veux, c'est stylé. Moi, j'aime trop. J'ai pris à Jennifer ce petit débardeur blanc taille XS. Donc, ça moule bien. Faut assumer, c'est bourrelé, les meufs. Ça, on était nickel. À New Look, j'ai pris juste, bah, avec les chaussures, du coup, j'avais pris ce pantalon. Pareil, vous me suivez sur Snap, vous avez dû le remarquer. Je vais bientôt poster une photo avec sur Instagram. Et il est canon. Là, il y a une petite ceinture pour le resserrer. Je l'ai pris en taille 36. Limite, j'aurais pu le prendre en taille 34 parce qu'il est
un petit peu large, mais du coup ça fait vraiment le style oversize que je kiffe. Franchement la qualité, top, rien à dire, vraiment rien à dire. Et il est trop beau, très classe, avec les talons ça passe super bien. Avec des baskets aussi. Oh mais j'ai même pas fini de Jennifer, je suis une ouf. Du coup à Jennifer j'avais aussi pris ce t-shirt. Donc pareil, il y a une photo sur Instagram avec. La couleur, oh, mais elle est ouf, trop beau. Mais avec un make-up des yeux verts, mais c'est trop beau. Avec ce haut, je fais obligatoirement un petit nœud avec un taille haute, canon. Et j'ai pris aussi en taille XS, j'ai pris ce haut rouge. J'ai kiffé pareil le W London. Sauf que là c'est en mode crop top sweat, donc sweat à capuche, crop top, manche courte. Et pareil, il y a des écritures là sur les lacets. Je fais tout le temps des dabs. Je suis une dabeuse. On va passer à courir. J'ai pris celui-là et parce qu'en fait je l'ai acheté juste pour la rose là. Il est trop beau. Et c'est la marque Mr. T. Donc je l'ai pris en taille S parce que c'est pour les mecs quoi. Du coup pareil, oversize avec un petit nœud, ça passe crème, même sans nœud. Archi mignon. On va passer à H&M. J'ai pris deux articles. Donc lui pareil, vous l'avez vu sur Instagram pour ceux qui me suivent. Suivez-moi, c'est gratuit. C'était chez les mecs. Je prends beaucoup de trucs chez les mecs. Hein. C'est vraiment en fonction du style quoi. Allez voir des fois chez les mecs, les filles. Il y a des trucs vraiment pas mal. Du coup derrière il y a écrit... Never do the wrong thing. En gros c'est ne jamais penser à des mauvaises choses. Hein. Je crois. Les bilingues, dites-le moi en commentaire. Là il y a une petite panthère... non c'est un jaguar noir, c'est quoi? C'est une panthère noire ou un jaguar noir ou un tigre noir. Je sais pas trop, il a une tête de tigre avec un corps de jaguar. Bref, il y a des roses avec l'animal noir. Je trouvais ça mignon. Et orange comme ça, j'en cherchais un depuis, je kiffe trop. Il est bien épais et tout. Quand il fait plus frais, c'est pas du tout la saison. J'ai pris comme second article ce petit haut 7-Up. Vous allez rigoler, avant je disais 7-Up. Mesquina. Bref. C'est un petit haut 7-Up. Du coup là vous avez écrit 7-Up en gros, il est rose. Et en fait là ce que je kiffe, le petit détail qui tue, il y a un petit nœud comme ça. Du coup vous, bah là le nœud il est dit, il y est déjà. Donc il n'y a pas besoin de faire genre je fais un nœud. Bershka j'ai pris ce t-shirt là. Je l'ai pris en taille S. Parce que vous voyez il est un peu oversize. Du coup là j'ai vraiment pris taille S. Il y a des grosses bananes dessus, donc faut savoir que toute ma vie je mange des bananes. Il y a écrit en gros potesto. Bah je crois que ça veut dire banane en je sais pas quelle langue. Potesto. Potassio. 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 Rose, jaune, trop beau. En été ça passe. Crème. J'ai pris aussi ce pantalon. Il est aussi en vert et en rouge. Je l'ai pris en taille S. Par contre il est super long. Je fais 1m63. Et il traîne, il monte vraiment taille haute, il arrive vraiment en haut. Les gars, c'est tout, voilà. Je sais qu'en ce moment, je suis pas très présente sur les réseaux sociaux. Enfin, sur les réseaux sociaux, genre ça va, sur Instagram, je fais des stories. Donc suivez-moi justement, sur Snapchat aussi. J'essaye d'être présente, mais sur YouTube, c'est vrai qu'en ce moment, je fais pas beaucoup de vidéos. J'ai mes raisons personnelles, mais aussi c'est parce que j'avais pas l'envie de filmer, de parler derrière la caméra comme ça, de rigoler et tout. Je me dis si je poste des vidéos c'est vraiment pour que vous kiffez, pour vous faire kiffer, pour partager avec vous, vous donner des conseils tout ça. Et si je suis blasée derrière le téléphone ça sert à rien en fait. Filmer pour filmer ça sert à rien, faut que ce soit un moment de partage où, aïe, où tu kiffes. Là il est minuit mais franchement ça va, j'ai la pêche quoi, j'ai envie de rigoler avec vous, parler, j'ai la pêche. Je suis fatiguée mais voilà je suis de bonne humeur alors que franchement ça sert à rien de filmer pour filmer. Je me dis je vais filmer quand j'ai envie de filmer, quand vraiment j'ai envie de partager avec vous pour que tout le monde soit content quoi. On est bientôt 3000 sur la chaîne aussi, yeah. C'est trop bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi comme d'hab j'ai kiffé la tournée. Si vous avez kiffé mettez un like, abonnez-vous juste en dessous. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous.